Ajouter un champ. Access vous permet d'ajouter des champs à n'importe quel moment. Cet ajout doit se faire en mode création. Pour ajouter un champ à la fin de la table, utilisez simplement la dernière ligne vide. Pour ajouter un champ à l'intérieur d'une table déjà créée, voici la marche à suivre. Donc, évidemment, on passe en mode création. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur la ligne du champ au-dessous de laquelle on veut insérer un nouveau champ. Donc, par exemple, je voudrais insérer un nouveau champ en dessous de facture numéro. Alors, je vais sélectionner mon champ qui est en dessous, donc facture date. Une fois que c'est fait, j'ai deux options pour pouvoir ajouter un champ. Première option, on va aller sélectionner l'onglet contextuel création. Et ensuite, dans le groupe outils, on va aller cliquer sur « Insérer des lignes » et j'ai une ligne qui va s'insérer donc au-dessus du champ que j'ai sélectionné. Autre chose qui est possible, on sélectionne notre champ, on appuie sur le bouton droit de la souris et on clique sur « Insérer une ligne » tout simplement. Ensuite de ça, tout ce qui nous reste à faire, c'est insérer le nom de notre champ, le type de données et la description. Voilà! C'est comme ça qu'on peut ajouter un champ à l'intérieur d'une table.